voici la compétition freestyle organisée par la Zabuza Team. Donc voilà, on a l'occasion, on a même, je dirais, l'honneur et la chance de pouvoir organiser une compétition de pancras, de freestyle. Mais on peut pas dire freestyle parce que c'est un mélange de toutes les disciplines sportives de combat. Et voilà, on a la chance d'avoir pour ami le directeur de la patinoire de Saint-Ouen, monsieur Valé Rall, qui nous met à disposition une fois la saison de patins à glace terminée. Je mets à disposition la petite noire pour organiser cet événement. Donc il va y avoir une compétition, il y a de l'animosité, mais c'est une animosité sportive parce qu'on se connaît entre clubs, les combattants se connaissent, donc c'est un truc assez cool. C'est surtout dans le but de faire connaître nos disciplines, voilà, et que si ça permet de dédiaboliser un peu ce sport de combat qui n'a pas toujours la meilleure des représentations, que ce soit la télé, la radio ou auprès des gens, ben, en tout cas nous on aura gagné notre pari. Donc voilà. Okay. On passe sur la colonne vertébrale, on pousse personne en dehors du ring. Moi aussi c'est. Et on ne tient pas les cordes. Ok. En fonction des différentes choses, il y aura soit un avertissement, soit une exclusion directe. Si vous faites par exemple un salve sur les cervicales, c'est une exclusion directe. Par exemple, un doigt dans les yeux, une morsure, c'est une exclusion directe. Par contre, si vous avez laissé 3 doigts, c'est un avertissement. Ok ? 4 avertissements, c'est fini. Voilà, ça c'était pour le bras. Merci d'être là ce soir avec nous pour la deuxième édition du Freestyle Competition organisé par la Zabuza Team. Thank you.